fils et dans ton fils. Tu sois raciste ou quoi? Chérie, demain c'est la rentrée pour tout le monde. Là, c'est la rentrée pour tout le monde. Pour Céana, l'équitation. Pour Céana, la maman. Pour moi, le sport. Et je vais goûter à mon nouveau rythme. Comment ça se passe quand je dépose Cali chez maman? Comment ça se passe quand Céana, elle a la maman? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment ça se passe, moi, la première séance de sport? Oh là là, je suis magnifique. UV, je vais me refaire mes cils. Je vais me refaire belle les filles. Là, j'essaie d'analyser ce qui va se passer, là. Ce que je pense, ça va être le speed. Céana, son temps d'adaptation, c'est une semaine. Oui, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est l'école. Demain, c'est l'école. Il y aura une semaine d'adaptation. Salut, si c'est levé, papa, il est venu le prendre. Genre après, au bout d'une demi-heure, elle fait « C'est bon, lève-toi, là, il est 11h, t'attends quoi ?» J'ai dit « Bon, ok, je vous lève. » Gourde, là, c'est pour l'école demain. Ouais. T'as hâte d'aller à l'école demain? T'es content, tu vas aller à la maman demain? Oh, oui. Super. Super. Kaoutar, son mot, mes chéris, c'est minimaliste. Salon, il y aura une petite table, un truc. Chérie, je vous ai même pas dit. Je vous ai même pas dit. Hier, j'ai changé de la vaisselle. Ils m'ont ramené un autre, les filles, parce que l'autre, il buguait trop. Du coup, je l'ai changé. Là, je suis en train de le re-remplir. Du coup, hier... C'est bon? Décision. Avec que j'ouvre ça, c'est... Alors, je vous présente Karim. C'est celui qui va faire tous les travaux à la maison, Inch'Allah. C'est lui qui va tout rénover avec Kaoutar. Donc là, on est en train de tourner dans les pièces pour qu'il voit environ ce qu'il y a à faire, le parquet et tout. Donc c'est lui que vous allez voir la prochaine semaine, Inch'Allah, sur mes snaps. Coucou. Donc là, c'est le dressing. Et là, c'est tout l'aménagement. Tout le... D'accord. Accrocher mes sacs, des trucs comme ça. Et une petite planche comme ça. Bon, ça va. Voilà. Oh, j'ai trop hâte. Merci pour toutes vos idées et tout. Ah, les filles, la première gamelle de Céana, c'est où? Maman, je suis en train de me dépêcher pour... En fait, là, je vais aller, je pense, avec Alan pour la deuxième mi-temps. Il faut qu'elle te fasse les soins après, maman. Maman va te faire les soins pour ton visage et tout, pour la rentrée. Le ménage le plus galère de tout l'univers. En fait, c'est un... Oui, oui. T'as fait caca? Oui. Dans la culotte? T'as fait caca dedans, c'est Anne. Mais non, mais mon bébé, pourquoi, maman? On lui a mis la culotte aujourd'hui, elle a fait caca dedans. T'as fait vraiment caca dans ta culotte, là? J'ai vérifié, je trouve un caca. Effectivement. J'ai vérifié, j'ai trouvé un caca. Monte, c'est Anne, on va se laver. Dépêche-toi. On va chercher papa, il nous attend. Mais chérie, oh my god, je n'ai jamais de ma vie eu une maison aussi triable. En fait, souvent on garde plein de choses, on se dit non, je vais pas m'en débarrasser, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de m'en séparer, tout ça. Bah là, tout ça, j'ai enlevé mon cœur à ce moment-là, j'ai tout. Parce que les filles, c'est... Ça me fait trop de ménage, trop de rangement, trop de trucs. Là, j'ai tout retourné, les filles. Je sue comme jamais de ma vie. J'ai sué. Je suis dégueu. Je vais chercher Alan dans cet état, mes chéris. Je vais rentrer faire un bain, avec tout mon corps, laver mes cheveux. Le lunch de Céana, il est prêt. Je vais pas dire gamelle parce que vous me dites, ouais, c'est pour les animaux. Mais je sais pas, gamelle, ça fait plat, quoi. Bref, donc, un peu de lait à tirer pour qu'elle dise demain le temps. Allez, on va dire un biberon. Parce que le temps d'1h30 de séance, c'est un biberon. Il y a des poupettes qu'apparemment Alan aurait marqué.
Donc là, je vais aller chercher, je vais lui mettre une musique de célébration, je suis en train de réfléchir. La vie, tout ça, les filles, j'ai tout dans les sacs, je donne à des associations. Parce que voilà. J'ai des montées de lait qui coulent de là dans la robe bleue. Mes cheveux sont gras depuis 10 jours. Là, je vais faire le bain des enfants. Attendez la coiffure, je vais faire des beaux trucs. Faut que je... faut qu'en fait, faut que je me focalise là, faut que je me concentre. Tout ton but, comment ça s'est passé? Je te laisse un regardement instant. D'accord. Il y a la vidéo. Tu mets dans ta story, tu vois. Comme ça. Mais Chiron vient de rentrer, du coup je vais vous montrer le petit ménage qu'on a effectué. Donc on a tout rangé ici, la cuisine, tout est nickel les filles. Nickel de chez nickel, de chez nickel, de chez nickel. On a fait tout le dressing, tout le linge, tout le tri, les papiers. J'ai gardé à l'étage, c'est là que les choses sont plus intéressantes. Et c'est là que par la salle de bain les filles, on l'a rangé de A à Z, elle est toute nickel, toute propre et tout. Rien à dire là-dessus. Ici les filles, j'ai fait par compartiment. Ici c'est le coin make-up, les salons SPR, tout est nickel, nickel, nickel. La chambre des amours de ma vie. Alors là, c'est la partie la plus intéressante parce que j'ai tout fait pour préparer à la rentrée. Donc un énorme tri. J'ai rempli tous les stocks de couches, de coton, de lingettes, de tout. Mon bébé. Alors ici, on a tout ce qui est pyjama, en gros tous les trucs longs comme ça, bref. Prendre des petits ensembles, voilà. Les chaussettes, etc. Absolument que j'en rachète. Et le bas. Ici, c'est Anna. Vous avez tous ces manteaux. Nickel. Il a ramené une vraie baguette, les filles. Je vais faire un petit tagine vite. Je suis en train de préparer le repas, mes chéris. Exprès avec mon petit bébé. Un peu de sel. Grave, c'est bon. Tu veux une cuillère? Je vais cuire, les filles. Je vais faire une cuiture d'aujourd'hui. Imaginez, j'aurais des... Cette marque, j'aime avec les cheveux rouges. Je suis actuelle. Du coup, je me suis... Deux. Du coup, je reçois le relais. Le bain, mon bébé. Ah, ouais. À l'école. Ouais. Hein, regarde-moi. Allez, maman. Tu vas à l'école demain. Il est en train de dégager une odeur dans toute la maison. Toi, t'as envie de manger quoi? Des légumes? Oui. Là, j'ai fait de la viande. Oui. Avec des pommes de terre et des carottes. Oui. Et des carottes. Oui. Carottes. T'es fatiguée? Non. Hein? Bon, on va pas pour... Ok? Oui. Et après... Okay. Et après, on verra. D'accord? Mm-hmm. Est-ce que tu veux que je te mette du parfum? Oui, oh. Parfum. Tu as un peu de parfum? Oui. Tu vas où demain? À papa. À plaisir. Hein? Si. Hein? Si. Du riz? Oui. Je sais pas compris. Des fois, je comprends pas ce qu'elle dit des fois. Allez. Bon. Allez. Tic, 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 tic. Et voilà! Là, c'est propre. Les filles, je vous ai pas dit, mais son trou, du coup, il s'est refermé. Hein. En fait, la bouderie est ronde, mais elle va pas jusqu'au fond. Derrière, c'est bloqué. Et clairement, j'ai pas du tout envie de forcer. En plus, je l'ai fait pendant son sommeil. Pendant qu'elle dormait, je me suis dit, bon, je vais le faire et tout. Au moins, elle va me laisser lui manipuler l'oreille. Et dites-vous, quand j'ai enfoncé la boucle d'oreille pour qu'elle traverse, ça l'a réveillée. Donc, c'est que vraiment, ça doit lui faire mal. Donc, je sais pas. On met un peu de parfum? Oui, un peu. Un peu? Oui. Vas-y, bah, mets-en toute seule. Ouah, t'es trop forte. Maman, encore. Encore? Oui. Attends, bah attends. Je te coiffe déjà. T'as vu tes cheveux? Quoi? Oui. Deux ans. T'as 2 ans? Oui, 2 ans. C'est ça que tu voulais dire ou pas? Pardon, ma vie, pardon. Pardon, ma vie. La touche finale. Alors? Ça sent bon? C'est bon. Regarde-moi. T'es très belle. Tu sens bon? Oui. T'es propre? Maman. Oui. Oui, t'as faim? T'as faim? Bah c'est... Ouais. La viande, bah on n'en parle pas, hein. C'est des côtelettes, ça cuit trop vite. Ah, en tête à tête avec mon bébé. Devant le foot. C'est trop bon. On va faire mon bébé à la...
Ok. Tu veux quoi? Tu veux on me brosser les dents et dormir? Les filles, dis quoi? Non, non, reste un peu avec moi. On reste ici. Et il veut pas sa fille. Il veut pas que sa fille parte, c'est trop. Il me dit quoi? Attends, c'est pas parce que j'ai dit si, elle se réveille tôt demain, il faut qu'elle dorme tôt. Non, mais elle peut rester un peu avec moi et tout. Les filles veulent pas lâcher sa fille. Allez, viens, on y va, ma vie. On va se brosser les dents. Regarde-moi comment t'es belle. C'est trop belle. Toutes les dents, encore. Je vais voir toutes les dents du fond se brosser à fond. Ouais. Bonjour. Allez. Attends, tu veux te laver? Allez, viens. On va choisir ta tenue. Et toi à l'école, ton bébé? Pareil, les filles, j'ai mis le pantalon, le débardeur, les chaussettes, tout ça, comme ça, j'ai tout à portée de main de Jette. Voilà, on va lui mettre tout dedans, ses petites couches. Tu le prends à l'école demain avec toi? Oui? Oui, mon bébé, te fera penser à moi. Tu veux qu'on l'appelle comment, le bébé? Tu veux qu'on l'appelle maman? Maman. Comme ça, il reste avec toi, tu penseras à moi? Non, tonton. Là. Il fait juste dodo? D'accord.